Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Maggie. Je suis très heureuse de vous rencontrer aujourd'hui pour une autre petite vidéo mode. La vidéo risque d'être très longue, du coup je vais essayer de diviser ça en 3 ou 2 parties, ça dépend. Je sais pas si je vais trop parler, si je vais parler un peu moins, bref. On parlera un peu de Zara, des Stradivarius, de Mango et des H&M. Mais avant de commencer tout ça, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Surtout, activez la petite cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Je publie normalement chaque dimanche, du coup, installez-vous confortablement, prenez un truc à boire, un truc à manger et je vous retrouve avec le reste de la vidéo après le générique. Alors, pour commencer, on commence par Zara, la maison mère, la base, voilà. La petite histoire, à la base, j'ai vu la nouvelle collection de chez Zara, c'est pas trop mon truc, voilà, je sais pas, j'aime pas trop. Mais par contre, sur Instagram, j'ai vu un petit ensemble que je trouvais plutôt pas mal. J'ai chopé ça en ligne, bref, je me suis fait livrer à la boutique parce que j'étais pas à la maison, blablabla. Arrivé à la boutique, je me suis rendu compte qu'il y avait des soldes, du coup j'ai chopé des trucs en solde. Et tant que j'y étais, j'ai pris 2-3 chemises, voilà. La pièce là, voilà, j'appelle ça une pièce parce que voilà, c'est un ensemble, vous mettez ça, voilà, moi je mets ça tous les deux. Très confortable, voilà, on a ces petits leggings-ci, avec les petits détails ici au niveau des pieds. C'est en matière, je sais pas c'est quoi cette matière, mais c'est super élastique, je sais même pas si c'est écrit. C'est en... Je ne sais pas, voilà, c'est cette matière-ci, super élastique. J'ai pris ça en taille ML, voilà, parce que voilà, pour ça, il n'y avait pas des M ou des L, il y avait ML ou XS et S. Voilà, je me suis dit XS, ça ne pouvait pas les faire, j'ai pris pas mal de culots, du coup, voilà, j'ai pris ça et ça fait quand même l'affaire. C'est un peu large, mais bon, vu que c'était élastique. Et ensuite, pour le petit haut, j'ai pris celui-ci qui va avec le petit legging. C'est toujours la même matière. Je l'ai prise en taille ML également. Et ça, les petits détails ici au niveau du corset, voilà. Pour la couleur, voilà, sur les sites, c'était écrit Bianco Sporco. En français, voilà, la traduction, c'est-à-dire un blanc qui est sale. Je sais pas c'est quelle couleur ça, mais bon, bref. C'est pas du blanc, c'est pas non plus du beige, c'est un blanc qui est sale. Sinon, les petits ensembles très confortables. C'est super élastique. Du coup, on est super bien à l'aise dedans. Par contre, c'est pas pour la saison parce qu'en fait, il commence à faire chaud. Du coup, peut-être pour des journées un peu plus froides. Voilà, vous mettez ça. Vous mettez avec votre petite legging. Moi, je me vois bien porter ça peut-être en automne. Ou bien même vers... tu vois, quand le printemps commence, voilà, il y a encore un peu de froid. Je me vois bien porter ça avec les petits trucs que j'ai pris chez H&M. En fait, j'ai vu les deux sur internet et j'ai craqué et voilà, j'ai pris ça. Et ben, vous allez voir dans les try-on. De toutes les façons, voilà, ça coûte pas cher. Je pense que j'ai pris ça à 16 euros et ça à 10 euros. Je suis trop fan des claquettes, surtout en été. Voilà, j'ai pris ces claquettes-ci. Normalement, je mets du 38, mais là, je sais pas. Peut-être que c'est mon pied qui a aussi grossi, je sais pas trop. Mais vous voyez, ça c'est vraiment trop petit. Du coup, ça serrait beaucoup. Au lieu de prendre du 38, j'ai pris un 40. Peut-être que c'est la chaussure qui est trop petite, je sais pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est que du 40, voilà, ça m'allait. Tandis que le 38, ça n'entrait même pas.
La couleur, elle est trop trop belle. C'est un nude. Trop trop joli, ça passe avec tout. Tout. Trop trop beau. Je pense que j'ai payé ça 16 euros, 17 euros. Bon. Ensuite, mon petit coup de cœur, j'ai pris cette petite robe-ci, couleur rose, rose bonbon. Je l'ai prise en taille L parce qu'il n'y avait pas de M. J'avoue que c'est un peu grand, mais ça passe. C'était la dernière pièce, je la voulais tellement. Sur les sites, c'était sold out. Du coup, je me suis dit, voilà, je m'en fous. Même si c'est un peu large, on s'en fiche. La matière, c'est genre un peu comme, voilà, comme une serviette. Voilà, vous allez voir. Mais la couleur, elle est trop trop belle. Par contre, même s'il fait chaud, ça va. J'ai déjà porté ça une fois et j'ai pas eu chaud. Du coup, ça passe. J'étais là, j'ai pris ces petits cyclistes-ci. Voilà pour la petite histoire. Ça aussi, j'ai vu ça sur Instagram. Il y avait une fille, je la connais même pas. Il y avait une fille qui portait ça. C'est pratiquement la même matière que l'autre legging. Du coup, je n'ai pas trop envie de lire tout ça. Je ne sais pas, peut-être que sur les sites, il y a écrit tout pour toutes celles qui sont un peu curieuses, qui veulent savoir les matières et tout. Voilà, j'ai pris ça en taille ML. Voilà, sa taille soit M. Non, il n'y avait pas des soit M ou L. Du coup, c'est soit ML, soit XSS. J'ai pris ça, c'est trop trop beau. Par contre, sur la photo, la fille, je sais pas s'il a monté ça, mais ça n'avait pas l'air d'être aussi long que, voilà, en vrai. Du coup, je pense que soit elle a remonté ça, je sais pas trop. Bref, je vais essayer de vous montrer ça en try-on. Du coup, elle avait ces petits shorts-ci et cette chemise. La chemise rose qu'on voit partout sur Instagram. Oui, j'avoue, je suis une grosse. Je vais dire ça comment? Je suis trop la tendance. Je suis toujours, toujours, toujours derrière tout ça. Et ça me dérange pas. Voilà, je l'avoue. Du coup, je vois un peu partout la chemise ici. Je pense que Primark en a fait aussi. Mais moi, je ne l'ai pas chopé, je sais pas, parce que après Marc, ici en Italie, il y en avait plus, je sais pas trop. Peut-être que je suis arrivée très en retard, vu que tout le monde a ça. Du coup, j'ai chopé ça chez Zara, je l'ai prise en taille XL. Mais ce n'est pas aussi oversized que j'aurais voulu. Mais bon, bref, du coup, je pense que je vais la garder parce que, je sais pas, je trouve que ce n'est pas aussi mauvais que ça. Du coup, je vais garder ça, du coup ça et ça match. Mais la fille, elle avait des talons orange qu'elle avait pris sur, je me rappelle pas trop. Du coup, je vais choper aussi le talon pour avoir les petits looks qui va avec.